cette œuvre, Guy Christian Vander, créateur et batteur du groupe Magma, retrace l'histoire d'un humain qui, un jour, s'adressa à tous les terriens en leur expliquant les raisons pour lesquelles ils doivent disparaître de la Terre. Ce défi lyrique au monde entier, le groupe Magma le lance depuis la naissance de la formation en 1969. Ce que vous entendrez vous choquera peut-être. Mais pour Christian Vander, ce n'est rien d'autre que la violence à l'état pur, la mise en musique du désespoir d'un artiste pour qui la Terre n'offre plus la moindre chance de salut. Une musique faite pour heurter et non pour séduire. Rien de gratuit pourtant. Cette volonté d'anéantissement n'a qu'un seul but, tourner les regards du cœur vers un monde lointain, une planète épargnée de la plus infime trace de sang. Elle s'appelle Kobaya, et vous allez en découvrir le langage transposé dans les chants. Une planète très proche, malgré les apparences. Oh,
l'histoire d'un peuple d'Europe centrale qui s'étant révolté contre son tyran, marchait sur le palais. Et les chants de ce peuple étaient si bons qu'ils s'évanouissent dans l'espace. Ce moment raconte l'histoire. Mécanique, destructive, commandant. Thank you.
Let's go.